Vous êtes tous 13, vous êtes tous fous, vous êtes tous cons, vous êtes tous... Ah, quelqu'un. Bonjour. Excusez-moi, vous gardez un passage secret ? Hein ? Vous gardez un passage secret ? Oui, en effet. Mais je n'ai pas entendu le mot de passe depuis plus de 50 ans. Oui, 50 ans. À moins que vous ne connaissiez quelqu'un qui était déjà ici il y a un demi-siècle, vous aurez du mal à le trouver. Beaucoup de professeurs, je sais pas. Je pense à Dumbledore, mais bon, je parlais des morts. Y a pas une touche pour appeler Nick. Il me semblait que dans le jeu, il y avait une touche pour appeler Nick. Nick. Va te faire enculer. Bah c'est super, bah je vais à l'infirmerie alors. Sur chemin, je trouverai bien une gargouille ou deux. Putain, Google Maps. S'il avait été créé par des crétins. Putain. Ah bah je suis à côté. Ah oui, les jeunes se rebellent. Les jeunes sont dans la rue. Il semble qu'il y a une gargouille ici aussi. Ah bah voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Parlez. Non. Ben la preuve. Non, c'est faux. Qui parle alors? C'est elle, celle-là là-bas, avec les cheveux emmêlés. Ils ne sont pas emmêlés. Ron, ils sont emmêlés? Non, enfin... juste un peu. Il y a eu du vent et... On s'en fout. On s'en fout. Taisez-vous. J'en ai rien à foutre. Cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous. Casse-toi, je t'ai tué. Même le caméraman, il y en a marre. De la potion Wiegenfeld. Bonjour, vous, vous avez trois têtes. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? On s'en fiche. On va à l'infirmerie et on en ramène. Ta gueule ! Mot de passe de Percival Pratt. Encore une énigme, hein ? Désolé, je ne sais pas. Demandez au professeur Basile Fronsac. Qui ? Cherchons cette potion vide. Oh, putain, le jeu, mais qui te prend pour un gamin de 2 ans, quoi ? Tu sais pas où chercher ? Oula, Hermione s'est pris voilà. La porte. Retournons à la bibliothèque pour donner ça à Zacharias. Merci de me dire ce que je dois faire. C'est pas comme si le jeu m'insultait assez. Tu as vu tous les devoirs que McGonagall nous a donnés. Mais arrêtez de vous plaindre, bande de connards. Oui, c'est beau, c'est magnifique. C'est beau. Quoi? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est... Ah, ça truc. Ça doit être... Ah bah c'est elle qui est... Enfin, non. Excuse-moi. C'est réussir ces sortilèges que tu lis? Je peux y jeter un coup d'œil? Mais oui, bien sûr! C'était pourtant évident! Ah, c'est ça, tout à fait évident! On n'a plus qu'à rédiger notre dissertation. Oh, c'est pas possible! Quand est-ce que vous allez faire vos devoirs vous-même? Mais là, cette pauvre serre d'aigle qui s'est fait agresser! Eh, hey, tu lis quoi? Oh, c'est très intéressant, laisse-moi prendre ça! Alors, je vais faire mes devoirs, voilà, et tiens, reprends! Même pas merci, même pas bonjour, au revoir! Même pas au revoir, en fait, tu pues la merde. Dissertation au professeur Flitwick. Putain, je pensais que ça allait prendre 20 ans, ça a pris 20 minutes. C'est cool. Ah, et putain, c'est là le truc qu'on peut faire. Gryffondor. Serpentard. Mais je vais laisser comme ça parce que c'est très très bien. Pardon, excusez-moi. Si je mets Serpentard, elle me dit Amen. Y a quelqu'un? Hermione? Non, c'est la chaise. Tard, on saccage la salle des prisonniers et attaque Rusa. Je suis enfermé. Il faut la faire sortir. Si Rusa la trouve, Ombrage va priver Gryffondor de Quidditch pour toujours. Et ce serait la fin du monde, n'est-ce pas? Bon, trouvons un moyen de faire sortir Angelina. Je vois pas le processus de pensée à travers lequel Ron est passé. Mais je pense que c'est pas très important. Non, j'ai pas, ça va. Ouh. C'est la chaise de Dumbledore, on la met comme ça, écoute. Nique ta mère, Dumbledore. Hein. Hop. Oh. Ah oui, c'est un sacré bordel. Il était temps, j'ai cru que tu m'avais oublié. Malfoy et ma baguette. Ça fait 2 minutes que je fais le truc, mais c'est pas grave. Avant que les Serpentards reviennent avec Rusard. Allez, vite. Mais ça va, calme-toi. Mais fais quelque chose, là. Tu peux pas faire quelque chose, là, toi. Connasse. Non, mais prends le truc, là. Mets d'abord les trophées avant de réparer la vrille, connard. Tu ne te serais pas entraîné sans nous le dire. Putain, mais sans déconner, Ron, est-ce que tu as fait quelque chose de ta vie? Continue. Nous aide surtout pas, Angelina. Hein. Tu t'es mis dans cette merde, mais c'est pas grave. Hein. C'est. Ne nous aide pas.
Tu pues la merde, toi et toute ton espèce de... Ah merde, elle est de Gryffondor. Je suis emmerdé là. Bah de Gryffondor hein, parce que les autres c'est pas, oui, c'est pas meilleur, en fait, vous êtes tous des connards. Toutes dans cette école, vous êtes tous des connards. Tous. Un coup de main. C'est putain, mais... Eh, arrête. Vous êtes tous des connards. Elle est ici. Je te tiens. Il y a un problème, monsieur Ruzard? Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vous ai tous à l'œil, petit monstre. Merci, Harry. Pas de problème. On a trouvé un endroit où l'AD peut s'entraîner. C'est au 7e étage. Super. Je viendrai avec Alicia et Cathy. À plus tard. Ce jeu n'est pas fini. J'ai honte de vous montrer ça. Ce qui s'est passé, j'ai honte pour les développeurs. Mais c'était pas fini. Le truc qui pop de nulle part. Franchement, là, j'ai eu du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est pourquoi est-ce que Ruzard était là et tout va bien, monsieur Ruzard, parce que je comprends pas. Et surtout, il est pop là comme ça. Enfin, arrêtez de faire des jeux vidéo là. Ceux qui ont fait ça, mais ne faites plus jamais de jeux vidéo. S'il vous plaît, pour le futur de ce domaine, arrêtez. Arrêtez. Les gargouilles. Je cherche dans mes souvenirs ou peut-être la dernière gargouille. Parce que j'ai pas envie d'explorer tout Poudlard juste pour elle. Au revoir. Oh, fermez-la, s'il vous plaît. Fermez-la. Attends, je vais faire plus simple. Non. Peut-être par ici. Je pense que par ici, il y en a. Il me semble que dans une cour, il y en a une. Donc, je vais aller voir cette cour. Alors, j'ai pas quelque chose d'autre à faire? Il me semble que non. Putain, après ça, j'ai fini. Oh, yes. Donc, Zakaria Smith, je lui ai rapporté son truc. Et à côté, il y a la cour, donc je vais aller là. Ok. Je commence en plus à comprendre la carte. C'est fantastique, là. J'apprends. C'est fantastique, parce que je me souviens que quand j'étais petit... J'arrivais pas à lire la carte, en fait. Que votre courage perdure. Après, quand j'étais petit, j'étais un petit peu con, mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà là-bas. Regardez. C'est fantastique, putain. Yes. J'ai fini la carte. Vous avez l'habitude de parler aux muets, vous? Non, et aux gargouilles non plus. Je suis sûre qu'elles vous en sont très reconnaissantes. Merci pour la conversation. Allons-y. Elle semblait malheureuse. Ça nous fait 5 gargouilles. Je m'en fous. On peut retourner voir Dean et lui dire où elles sont. Il n'y a pas McGo là? Ah, McGo, ça va? Ça gaze! Weasley, Miss Granger, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon? Évitez de raconter des choses pareilles. Certains seraient capables de vous croire et d'aller vérifier par eux-mêmes. Non, ils vont juste voir des elfes de maison en esclavage, mais ils vont rien trouver. Hein. Ah, il y a le professeur là. Pourquoi tu dors? Je t'ai utilisé, je t'ai débloqué, pourquoi tu dors? Enfoiré! Tiens, je t'ai devoir. Voilà le devoir que vous nous aviez demandé. Voici le devoir! Excellent. Oh, regarde, acceptez ce devoir! Eh, hey, j'ai combien si je vous donne ce devoir? Je peux écouter ce qu'il a dit, je m'en fous, il a dit excellent. Ron, quand on sera à la bibliothèque, essaie d'être poli avec Zacharias. Ta gueule! J'ai terminé ce devoir depuis longtemps. Ce qu'il me faut, c'est la date de décès de Nick Casis en tête. Vous êtes de Gryffondor, vous devez pouvoir la trouver. Et si on le fait, tu viendras à la réunion? Ouais, sûrement. Vous allez bien? On va s'entraîner sur toi, mais ça va être violent. Hein. Oh, aujourd'hui, je vais vous apprendre Avada Kedavra. Sœur Nicolas, Oula. Pourriez-vous nous dire quand vous êtes mort? Tu ne t'en souviens donc pas? Pourtant, tu étais là, au 500e anniversaire de ma mort. C'est faux. Ah oui, en deuxième année. C'est faux. Donc, vous êtes mort en 1492. Je savais que vous n'auriez pas oublié Miss Granger. Curieusement, ah, c'est intéressant. C'est un des rares marquages temporels, on va le dire, que Harry Potter a. Parce que dans le livre, il me semble qu'on dit l'année, mais dans les films, il ne semble pas qu'on dise l'année. Bon, Zacharias. Et puisque le jeu est basé sur le film, c'est bien ce que je pensais. On peut se dire qu'en fait, en deuxième année, c'était en 1992. Et dans une salle du 7e étage. C'est intéressant. Il suffit de penser à la. Mais ces gens sont totalement cons quand même. On se voit là-bas. Allez, tous vous faire foutre. Ah oh, putain.
cassez-vous. Ah non. Y'a pas un passage secret par la magique? Ouais, vous faites tous chier. Poussez-vous, les trois gens! J'ai une crise d'angoisse. Tu es un tableau, j'ai hâte de voir vos exploits futurs, monsieur Potter. En 7e année, je vais mourir. C'est un assez gros exploit. Mais pourquoi tu me parles pas, toi? Toujours curieux, monsieur Potter, c'est très bien. Bon, pour le découvrir, il vous faudra rendre visite à la bergère, sur le palier du 2e étage. Bonjour. Je peux utiliser ton mot de passe? Vous ne connaissez pas le mot de passe. Faites travailler votre mémoire, monsieur. La bergère était à côté de son mot de passe de l'autre côté, mais puisque la quête était lancée et que je pouvais pas lui parler, donc lui poser cette question, je ne pouvais pas poser la question et donc savoir qu'il fallait aller parler à cette connasse. Maintenant que je sais ça, je ne peux pas utiliser son passage secret pour aller à côté de la bergère, et donc je dois faire tout le tour pour aller parler à cette connasse. Merci, jeu de merde. Tu me fais perdre mon temps. Je pourrais jouer à un super jeu, mais tu me fais chier. Va te faire foutre. Purement et simplement. Merde. Sinon, vous, ça va? J'espère que je vous fais pas peur. Hein. Tu n'aimes pas les secours. Ta gueule! Pardon. Vous allez vraiment croire que je suis vraiment énervé, mais je suis quand même un petit peu énervé. Hein. La rage est légèrement présente. Avoir le plus de raccourcis possible, c'est la seule quête qui m'intéresse parce que c'est important. C'est le seul truc bien implémenté dans le jeu, et même ça, c'est mal foutu. On se voit toujours à la réunion? On n'y est pas encore. Cet affreux ombrage est à l'intérieur avec Trelawney. Elle a une dent contre le professeur Trelawney depuis cette stupide inspection. Vous qu'on n'a pas vu. Me renvoyer. Je suis ici depuis 16 ans. Poudlard est ma maison. Vous auriez dû prévoir que ça allait arriver. On dirait que votre cours de divination. La seule bonne actrice, j'ai envie de dire, c'est mon brage. Parce qu'elle a dit ça avec un super ton, genre vous auriez dû prévoir que ça allait arriver. Donc vous n'êtes pas une bonne divinatrice. Je sais pas comment on dit, j'en ai rien à foutre. Mais ah putain, cette scène qui est super dans les livres et dans le film, et voilà, ben c'est hors champ parce qu'on n'a pas fait de modèle de Trelawney et quoi, on en a rien à foutre. Nique ta mère le jeu, nique ta mère. Attendez, quoi? Cet étage ne mène à rien? Donc le 7e étage, c'est plein de couloirs où il n'y a rien, vide, où il y a deux tableaux et où ça mène à nulle part autre dans le château. Ah si, ça mène à la tour de divination, mais à part ça c'est vide, d'accord. Il y a personne qui s'est dit ah bah tiens cet étage est bizarre, faudrait pas l'inspecter. Hey. Et oui. Hey. Quand est-ce que tu vas nous apprendre un sort vraiment utile? Et toi? Une idée, un sort pour t'obliger à la fermer. Ça ce serait utile. Laisse tomber Ron. J'ai putain, il est violent quand même. Le sort qu'il faut à Zacharias. Je te casse pas le dos. Je suis sûr que Zacharias sera ravi de t'aider à faire une démonstration. Vas-y, Zacharias. Tu sais quoi? Il faut choisir sa cible, puis faire ce mouvement avec la baguette. Rictus Sceptra. Oula, c'est violent. Zacharias, mets-toi là que je. Ça marche pas très bien, hein, ça tourne autour là. Rictus Sceptra, continue. Ça va être cool. Ça va être cool. Mais ça tourne autour, ça sert à rien. Bravo à tous. Hey, j'ai même pas eu le temps de m'entraîner. Ah, désolé Zacharias. Il est toujours les oreilles dans le tournoi de lui. Une autre fois. C'était un super cours, Harry. J'ai adoré ça. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Hey Harry. Ça oui. m'est égal, vraiment. Vous êtes malade. Salut, vous Harry. Avez un problème. J'ai hâte de commencer. On va apprendre un sort super cool, je parie. Oui. On va démolir quelque chose, transformer quelqu'un en furie. C'est quoi déjà ce sort qui permet de figer complètement quelqu'un? Petrificus Totalus. Bon, c'est un sort plutôt simple mais très utile.
Excusez-moi, comment est-ce qu'on va à la gare? Utilisez le métro! Baguette et l'agiter comme ça. Calmez-vous. Petrificus totalis. Vous avez... Oula, ça fait peur. Vous avez un problème. Harry, tu es le meilleur des professeurs. Merci. Merci, merci, je sais. Comment ça, j'en ai 27? Où est le dernier? Qui il manque? Je suis pas allé voir Dean Thomas, putain, je suis trop con, j'ai fait la quête, mais je suis pas allé le voir. Putain, je suis trop con, mais... Ah, mais deux de QI, quoi, sans deck. Putain, je me déteste, mais avec une puissance que vous ne pouvez point imaginer. Le mot de pince, je n'ai pas en chantant. Ce jeu va me tuer. Le mot de pince. Je veux savoir qui a doublé ce personnage, je veux savoir quel est cet accent, et je veux cette personne dans toutes mes vidéos. Je suis fatigué. Ce jeu m'épuise. C'est fou. Hey Dean, on a trouvé toutes les gargouilles. Cool. Je pourrais les noter plus tard au dortoir. Demandez à Hermione si elle veut bien. D'accord. Qu'est-ce qu'elle faisait, Hermione? Après la réunion de l'AD. Cool. À plus tard. Elle faisait un doigt à quelqu'un ou j'ai rêvé? C'est moi qui forcément cherche quelque chose. Oh, on a fini. On a fini. Poussez-vous. Poussez-vous. Je vais vous agresser. Tiens. Tiens, prends ça. Prends ça. Tiens. Oh. Je peux agresser quelqu'un. 3 contre 1, putain. Bolossage. C'est super. Je fais des sorts, mais. Putain, mais. Ouah, le combat d'anthologie. Tiens, prends ça dans ta gueule. Oh mais les combats! Oh mais les combats! Oh mais les moments d'anthologie de ce jeu! Harry est comme ça! Oh, putain, j'ai reçu deux sorts, j'en peux. Tu es le légendaire Harry Potter! En PLS devant Rectus Impra! Oui, oui, c'est moi! Dites-moi que c'est bientôt fini. Je veux juste terminer le jeu. S'il vous plaît. Salut Harry. Salut. Salut Harry. Salut, je suis triste. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Comme c'est le dernier cours avant Noël, tu peux nous apprendre un sort amusant? Ah, c'est Noël! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, happy birthday to you, Jesus! Non? Bon, il faut lever sa baguette et l'agiter comme ça. Ouais. Lève corpus! Cho, regarde-moi. Hé, Cho! Lève corpus! Cho, regarde ça. Continue. Cho, qu'est-ce que t'as fait? Très bien, t'as pas vu non, si ça marchait. C'était pas mal du tout. Non, c'était pas mal en du fait, tout. En fait, c'était nul, mais je sais que tu peux y arriver. Je t'ai observé quand tu faisais les autres sorts. Ah bon? Oui. Merci Harry pour cette, allez, ce moment d'honnêteté. Ne pars pas Harry, je veux te parler. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu as? Je veux baiser avec toi. Tu es vraiment un bon prof Harry. C'est du gênant. Du qui? Ou ça? Du qui? Quoi? Ou ça? Non, ne vous embrassez pas, c'est gênant. Je vais pas regarder, hein, parce que c'est très gênant. Ah non, ça va être gênant, hein. Ah non, déjà dans le film, c'est gênant, alors là, oh, c'est gênant. Ah, le Guy est là. Ah, le Guy était là pendant une demi-seconde. Qu'est-ce que passait? Ah oui, le scénario, il va très vite. Le scénario fait une pause pendant 4 heures, et ensuite, boum, il accélère. Qu'est-ce que passe-t-il? Harry, pourquoi tu dors avec ton sweater? Il faut aller voir McGonagall. Harry, qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer. Il faut trouver le professeur McGonagall. Viens. Viens. Dépêchez-vous. Où allez-vous comme ça, à cette heure-ci? C'est le père de Ron. Il a été attaqué par un serpent. Harry a eu dans j'ai son eu sommeil. Peur. Je ne rêvais pas. Allez-y vite, il n'y a pas de temps à perdre. Non mais me stresse pas aussi. Bien, Harry. Vous allez bien? Ne me demandez plus jamais ça. Plus jamais. Sous aucun ton. Pas vous. Ah, de la musique. Vous sentez le drama? Parce que moi, en fait, là, je suis censé ressentir de la magie, en fait, avec cette musique, mais je ne la ressens pas. Phineas, vous devez aller square Grimoire dans votre portrait. Dites-leur qu'Arthur Weasley a été grièvement amoché. Professeur, mais le bureau n'était pas là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatigué. Vous souhaitez me voir, monsieur le directeur?
Oui, Severus. J'ai bien peur que ça ne puisse attendre jusqu'au matin. Suivez-moi, Potter. Il m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut, c'est... Maintenant. Fumsec est allé voir Molly. Nous faisons en sorte que ton père soit découvert par les gens qu'il faut. J'ai besoin de vous. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ? Bah allez-y, vous êtes d'accord. Ici pour apprendre le Clumency, la défense magique de l'esprit. Il y a une connexion entre le Seigneur des Ténèbres et vous. Oula, pardon, j'arrête pas de frapper le micro, je suis désolé. Contrôler votre esprit. Il peut lire dans mes pensées ? Lire, contrôler, modifier. S'il prend conscience de cette connexion, l'occlumency vous aidera à vous protéger. Je vais essayer d'entrer de force dans votre esprit. Légilimens. Peggy 18. N'essayez jamais de rentrer dans l'esprit d'un jeune. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, d'accord, ok. Donc là, en fait, il envoie... Ah, c'est très compliqué, le gameplay. Professeur Rogue utilise sa baguette pour essayer d'entrer dans mon esprit. Il la dirige vers une direction. Et moi, je dois utiliser les touches du clavier pour l'envoyer dans la direction contraire. D'accord. Le gameplay. Est-ce que je m'amuse là ? Non mais je demande parce que... Moi non. Est-ce que... Ah, Rogue a été vaincu ! Je l'ai envoyé à l'autre bout de la salle. Pas mal, Potter. Ce pas mal ? Je t'ai défoncé, espèce de connard. Il faudra beaucoup de leçons, monsieur. Il semble que vous partagiez les pensées et les émotions du Seigneur des Ténèbres. Quelque chose de tout à fait normal que tous les étudiants de Poudlard traversent. C'est tout à fait... Videz votre esprit. Éliminez toute émotion. D'accord. Ah oui, il neige tout d'un coup. Oulala, il neige dans la cinématique, donc ça va pas neige. Le scénario, ok. Bon bah, si tu continues sans moi, moi je... Je vais sur mon téléphone, je reviens, hein, plus tard. Ah non, il faut que je joue. Il sera bientôt temps de rentrer à Poudlard. J'en fous. Mais avant de partir, pourquoi n'irais-tu pas t'amuser avec tes amis ? Quand tu voudras partir, j'ai des amis. Arthur, j'ai envie de partir ! Arthur ! Arthur, où es-tu ? Arthur ! Arthur ! Arthur, s'il vous plaît. J'ai envie de partir. Il est là. Est-ce qu'il est là ? Ah oh, putain. Ah putain. Arthur ! La noble et très ancienne maison des Black. L'étrange. Ils sont à Azkaban. Que se passe-t-il ? Je figurais sur cette tapisserie jusqu'à ce que ma mère... Ce dialogue n'a pas de sens. Je les haïssais tous. Je suis allé vivre chez ton père. Tu ne saurais pas où est passé... Le drama ! Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Tu ne crois pas qu'il aurait pu quitter la maison ? Il a beau me mépriser, il lui faut néanmoins ma permission. Non, il doit sûrement bouder quelque part. Je ferai bien de le chercher. Salut. Où est Arthur, s'il vous plaît ? Je veux juste partir. Il faut que j'aille leur parler, n'est-ce pas ? Arthur ! Je veux partir ! Vous allez bien, monsieur Weasley ? En pleine forme, Harry. Mon séjour à Sainte-Mangouste a été très intéressant. Un stagiaire guérisseur m'a montré certains remèdes moldus. Tu savais qu'ils utilisaient des points de suture pour recoudre les blessures ? Fascinant, non ? Que s'est-il vraiment passé quand on vous a attaqué ? C'est très simple. J'avais eu une longue journée. Je me suis assoupi et j'ai été mordu. Es-tu prêt à retourner à l'école ? Oui, on peut y aller. Tu devrais c'est pas ce qui s'est passé, non. Il t'attend dans la pièce de la tapisserie. Non mais c'est bon, je vais parler. La porte est ouverte toute seule, ça m'a fait un peu peur. Ça ferait un bon jeu d'horreur à Harry Potter, hein, parce que moi je suis fragile et j'ai très peur. Si ma maîtresse voyait cette vermine infester sa maison... La porte me parle. Briserait le cœur, oui. Ma mère n'avait pas de cœur. Maintenant va-t'en d'ici, créature. Créature fait ce que le maître désire. Mais j'insulte quand même. Fais ça et digne. Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé? La créature s'est téléportée devant moi pour me dire « Eh, fils indigne, au revoir !» D'accord, je me fais bolosser par créature, allez, tout va bien. Il est temps de retourner à Poudlard. Joie. On passe notre temps à se dire au revoir. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Non mais... Tu es un bon garçon, Harry. Harry, c'est Hagrid, il est de retour. Hagrid, ça va vite. Où étiez-vous depuis tout ce temps? C'est un peu compliqué, tu vois. Que se passe-t-il, Hagrid? Je ne peux pas partir sans parler de lui à quelqu'un. Qui ça? Je lui. Le scénario. Le scénario. C'est mon frère, Grop. Enfin, demi-frère. Grop, je te présente une amie, Hermione. Un double frère. Hermione. Le scénario. Putain, mais ça va vite. Ce jeu n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Hé hey Harry, tu ne devais pas aller au bureau de Rogue pour ta leçon d'occlumencie? Merci de me le rappeler. J'ai chaud, putain. C'est encore l'hiver, là, ou c'est le printemps, là, parce que... Oh! Ta gueule! J'y vais, putain! Occupe-toi ton cul! Merde! Tu ne devais pas aller au bureau de Rogue? Œuf de dragon. Tu répètes ça encore une seule fois, je t'avada cadavre à la gueule. Hein. Tu ne devais pas aller au bureau de Rogue? Je t'ai prévenu. Hein. Putain, je peux pas l'agresser. Putain, je peux agresser tout le monde sauf mes amis. Ce jeu n'est pas réaliste. Hein. J'ai chaud, putain. Oh, chaud. C'est bon, je les suis, t'es content? Vous êtes en retard, Potter. Entrez. Allez, direct. Voilà, c'est... Eh, t'as vu, il y a un gros, là. Il y a un gros géant dans la forêt interdite. Mais puisque tu le sais déjà, on s'en calisse. Que tu le saches ou pas, je m'en fous. Non, je la rage, ça va aller vite. Parce que c'est pas comme s'il fallait que je reste appuyé. Il faut que je martèle la touche comme un connard. Je rends ça plus difficile en m'excitant comme un connard. Et en plus, c'est le même souvenir, hein. C'est pas d'autres souvenirs, hein. C'est le même souvenir. Putain, il s'est rien passé. Hein. C'est... Oh, j'ai mordu machin. Oh, il y a eu Noël. Oh, c'est... oh, c'était compliqué. Oh, tu es tellement nul, Harry Potter. Bah non, c'est toi qui es une merde. Je viens de réaliser. Qu'y a-t-il au département des mystères? Quoi? J'avais oublié que je l'avais vu quand je suis allé à l'audience. J'en ai souvent rêvé. Bah, c'est bizarre parce que nous, on l'a pas il vu donc. Il y a souvent pensé. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Le département des mystères renferme beaucoup de choses. Ah non, tu vas dire qu'il renferme beaucoup de mystères pour montrer que tu es totalement stupide. Aucune qui vous concerne. Suis-je assez clair? Mais... Ce cours est terminé. Salut Harry. Tout le monde t'attend dans la salle sur demande. D'accord. Je crois que l'AD est une réussite. Nous faisons tous d'énormes progrès. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je ne sais plus quoi dire. C'est au moins là, vous avez, j'ai une motivation en fait. Non, en fait, non, j'ai une excuse à la con là que font tous les youtubeurs. Pour me remonter le moral, mettez plein de pouces bleus en l'air et. Comment même ça, ça va pas marcher, même ça, c'est pas assez. Vos gueules. Vos gueules. À chaque fois, je pense qu'en fait, à chaque fois, vous devrez faire en fait un screenshot en fait de ma cam au début de l'épisode et une à la fin. Pour montrer en fait à quel point ça me fatigue ce jeu me fatigue, mais un point. Waouh! Je sais pas comment j'ai fait pour le finir à 100% quand j'étais gamin. J'avais une patience de. J'avais une patience de ouf-godin. Bon, bref. Moi, je vous dis ça à tous. Je vous vois dans la prochaine vidéo d'ici là. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao!